Salut les bébés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui, journée de fête, c'est la sortie du film Dragon Ball Super Broly 2018, oui, youpi, sauf qu'on n'est pas au Japon, donc on peut pas le voir pour l'instant, eh bien on est bezaï comme on dit dans le métier, mais j'ai une petite alternative puisqu'on n'a pas tous la chance et surtout les moyens d'aller au Japon pour aller voir le film Dragon Ball Super Broly, donc aujourd'hui je vais vous présenter le fan film UAJ Animation Gogeta vs Broly, ça devient récurrent maintenant sur la chaîne, j'adore faire ces live reactions, surtout eh bien que ça nous un petit peu l'eau à la bouche comme on pourrait dire de ce qui pourrait se passer réellement dans ce film Dragon Ball Super Broly. C'est signé UAJ Animation, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et voilà, c'est notre petite alternative à nous ce soir les amis, on va se faire ce fan film qui s'appelle Gogeta vs Broly Full Fight, c'est parti. Donc on commence avec un petit Goku en malaise total. Alors, ça c'est ce qu'on n'aura pas dans le vrai film malheureusement, le Super Saiyajin Blue Evolution. Oh, c'est stylé. Ah, comme ça, chaud. Allez. On est bon là, on est bon. Et ce Gogeta en forme de base, il est magnifique. Putain, mais il pète la classe. C'est un délire. Oh, ce sérieux. Oh, il claque le CJ direct. Putain, on a un Broly qui est confiant quand même. Hein. On s'en bat les steaks. Ok, une armure à glace, le gars, il bouge pas. Allez, on y va. Gauche, droite, c'est parti. Broly s'en bat les steaks. C'est un délire. Alors là, les plans, ils sont magnifiques. Très franchement, c'est une belle animation. Bravo encore une fois. Ouf. Allez. Ah non, en fait, ils s'en bat les couilles, Gogeta. Très bien, très bien, très bien. J'aime aussi cette mentalité. Ah, Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Non, c'est quoi la folie que tu vas nous... Ah, Super Saiyajin Bleu. Magnifique. Putain, c'est beau. Oh, putain, il est classe. Putain, il est classe. Oh là, par contre, c'est pas le même délire. Elle vient de lui mettre un truc. Il lui a mis un high kick, il l'a pas respecté. Alors ça, c'est repris du trailer. Magnifique. Oh putain, on a un Gogeta Blue, il se déchaîne là. Oh. Eh, faut pas oublier que c'est une animation amatrice. Hein. Putain. Bien ouais, je dois reprendre ça de Broly. Ok, 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 ok. La vague d'énergie par la bouche, ok. Bing bang kamehameha. Ok, ok, ça va pas se terminer comme ça, non. Non, 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 non. On y croit, les amis. Ok, ouais. Oh, putain, mais bien joué. Mais c'est beau, c'est beau. Franchement, j'ai un quart de ce truc-là dans le film Dragon Ball Super Broly, je suis content. C'est un rêve de gosse. Oh, la scène, putain, de Budokai 3. Broly versus Gogeta, mais bien sûr. Le Soul Punisher. Ce Broly en PLS. Ah, donc là, Broly, il meurt, là, par contre. Là, c'est... Allô, Broly, Bobo. Ah, il s'est fait torcher, là, par contre. Ça se termine comme ça? Ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Très concrètement, on est sur quelque chose d'assez basique. Franchement, j'ai kiffé, ça s'est vu par moments et tout. Surtout qu'on garde ce Gogeta un petit peu bah, dans le film Fusion avec cette tenue eh bien, orange au lieu de la tenue classique Metamol comme Gotenks. Donc pourquoi pas, parce que ça soit l'un ou l'autre, je m'en bats les steaks personnellement, même si c'est plus cohérent eh bien, qu'il l'est comme Gotenks.
Le fait que ça se termine par un Soul Punisher, trop classique. Trop classique, on l'a déjà vu, donc forcément, il n'y a pas cette hype, mais franchement, ce Gogeta SSJ Blue me hype. Putain, il me hype de ouf, je sais pas pourquoi. Ce combat, pour moi, est le combat sur lequel je bande totalement. Je bande, surtout que c'était un rêve de gosse, je vais pas vous le cacher, de voir Gogeta versus Broly depuis tout petit. Même dans la cour de récré, j'étais là en mode putain, il faut vraiment qu'il y ait ce combat. Tu sais, en mode what if, en mode et si Gogeta il rencontrait Broly, qu'est-ce que ça donnerait? Bah voilà, c'était les trucs de gamin à l'époque. Et là, enfin, grâce au fanservice et surtout à Akira Toriyama qui a fait un script qui amène Broly et à la fois Gogeta, c'est juste magnifique. Et franchement, comme je vous l'ai dit, si on a au minimum ça, même si on sait que c'est plus beau dans le vrai film, pour moi, c'est le meilleur film Dragon Ball. Et je félicite encore une fois USJ Animation parce que eh ben, c'est du taf de porc que vous réalisez à chaque fois, à chaque fan animation. C'est un vrai succès et aujourd'hui, vous m'avez régalé encore. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir vu le film Dragon Ball Super Broly. Je pense que la plupart des Occidentaux sont dans mon cas. On n'a pas tous l'argent pour se payer un petit billet pour le Japon. Un petit Saikyo, petite pensée à toi, petit Vénard. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce live reaction du fanfilm. Surtout, soutenez eh bien, l'auteur de ce fanfilm, USJ Animation. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss !